c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mini-album réalisé pour le challenge de l'été, carnet de voyage organisé par Scrap by Fleur de Lune. Il y a de nombreux lots à gagner, notamment un lot par escale et un lot supplémentaire si vous réalisez toutes les escales, après un vote de l'ADT. Toutes les explications, je vous mets la vidéo en haut à droite pour aller voir. Laetitia, elle a fait justement une vidéo explicative qui explique vraiment toutes les escales et tout ce qu'il y a à faire pour participer au challenge. Alors, pour ce mini-album, la première partie était le tuto de la structure. Je n'ai pas collé les papiers avec vous car c'était vraiment que du collage de papier. Le ruban, j'ai commencé par coller donc la tranche ici. Seulement après, je suis venue coller mon ruban. J'ai fait tout le tour. Je ne l'ai pas coupé en deux parce que je voulais qu'il se voit ici. J'ai collé le papier derrière la structure ici en faisant attention qu'il ne dépasse pas ici au niveau de la forme diapositive. J'ai voulu mettre en avant Bienvenue chez nous. Donc j'ai mis la découpe MDF bois ici. Donc je l'ai surélevé avec du 3D ici que j'ai peint, que j'ai mis un petit peu de feutre noir pour que ce soit pas trop visible vu que la tranche de tout ceci est noire. Et j'ai rajouté le mot photo ici. Donc quand on ouvre, toute la structure a été faite en tuto dans la partie 1. Donc je vous mettrai en haut à droite la vidéo aussi. Il n'y a que le calque que je n'ai pas mis, j'ai mis à la dernière minute. Pour le calque, j'ai coupé le morceau de papier qui vient sur la tranche ici. Donc c'est une tranche de 3 cm par, je crois, 17 ou 15, enfin je ne sais plus exactement. Rapidement, je crois, ouais, à peu près 17, 16,5, 17. J'ai donc coupé le papier qui venait sur la tranche. Je l'ai coupé en son centre. J'ai pris le morceau de calque. J'ai fait un pli à 1 cm et ensuite j'ai pris la largeur de l'album. Donc pour le calque final, c'est la hauteur par la largeur de l'album plus 1 cm. Le 1 cm, je suis venue le plier sous le papier que l'on voit ici. Juste pour ajouter une petite interaction supplémentaire. Et si on met des décorations ici, alors pas trop d'épaisseur parce que vous voyez, il est déjà juste avec les photos, ça suffira. Donc, je n'ai pas mis trop de décoration à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis aussi que le calque et je n'ai pas mis trop de décoration. Et je trouvais les papiers trop beaux. Pas de nécessité de rajouter encore beaucoup d'éléments. Donc, c'est un mini-album pour des photos 13 par 9 exclusivement. Sauf si on en met ici sur les grands rabats comme ceci, on peut mettre des photos 10 par 10 si on veut. Ou 13 par 13. Donc ici, un rabat aimanté. J'ai marqué les emplacements photos par un papier blanc avec les encoches. Donc on peut les glisser après dessous. Les encoches là, ce n'est pas collé à chaque fois. Et première fois aussi que je réalise comme ceci, c'est-à-dire que je colle tous mes emplacements photos. Et seulement après, je viens mettre le papier, sauf à 2-3 endroits où j'ai mis d'abord le papier. Alors cela permet d'économiser aussi du papier et ne pas avoir trop d'épaisseur. Sinon, il y avait le papier, décoration, l'emplacement photo et la photo par la suite, donc ça fait beaucoup d'épaisseur. Surtout qu'ici, ce sont des papiers 300 grammes. Donc une photo, pareil ici sur le rabat du bas, ceci je n'ai pas collé en totalité. Alors il me reste encore 2-3 petits papiers à coller à l'intérieur que je ferai par la suite, mais je voulais vous faire la vidéo parce que j'avais peur de ne pas être dans les temps. Ici, photo toujours pareil, ici aussi. Voilà, là il manque les papiers, ici, là on peut mettre les papiers aussi, et pareil ici, je n'ai pas mis encore, il me manque les emplacements photos et les petits papiers, mais vous voyez le principe. Ici ce n'est pas collé en totalité, ici on peut préférer mettre une photo si on veut, et ici deux emplacements photos. Celui-ci vous pouvez le coller de trois côtés pour glisser un tag à l'arrière par exemple. Pour la deuxième section de cet album, donc vous voyez c'est un album en deux sections.
Ça s'appelle, je crois, du layering. C'est donc par couche. Donc, ce sont des couches de rabat principalement ici. C'est pour ça qu'il est accessible aux débutants selon moi, car ce sont simplement des rabats collés les uns à côté des autres ou en haut à droite, à gauche, voilà. De ce côté, un emplacement photo, j'ai mis une petite décoration ici, mais on pas collé en totalité, juste un petit filet de colle en bas pour pouvoir glisser la photo derrière. Ici, on peut mettre une photo si on veut sur le haut. Ici, on peut préférer mettre une photo également. Ici, une pochette pour mettre des photos 9 par 13 aussi. Encore une photo ici. Donc, vous voyez, celle-ci, par exemple, j'ai collé la totalité parce que je n'avais pas envie de calculer un peu en bas, un peu en haut, un peu en bas et sur les côtés. Mais on peut aussi le faire si on le souhaite, si on ne veut pas faire comme ceci. Ici, on peut préférer aussi mettre une photo si on veut, mais moi, j'adore vraiment, mais ces petites scènes-là, elles sont superbes. J'aime beaucoup, donc je voulais les utiliser et pas les cacher par la suite. Ici, nous avons une pochette. Et ici, une cascade photo pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pour moi, c'est 14 photos avec celle-ci, parce que ici, je ne la compte pas, parce que j'ai mis un papier décoratif et le papier se suit ici. Et la photo, eh bien, en haut et ici. C'est pour cela que je n'ai pas mis ici de papier décoratif. Je n'ai mis qu'en bas parce que la photo, elle vient ici. Donc, à chaque fois, c'est pareil. Et en bas, une photo. Ici, toujours des rabats. Donc, je n'ai pas aimanté. Je n'ai aimanté qu'à chaque fois la fin ou le début. Un emplacement photo, ici aussi, ici une pochette. Ici on peut mettre une photo si on préfère, mais plus petit que 9 par 13. Une photo et le motif ici qui se suit. Alors j'ai pas fait exprès, malheureusement j'ai mis le même des deux côtés. J'avais pas fait attention quand j'ai mis celui-ci. Ici c'était fermé, j'avais pas vu que c'était le même. C'est pas grave, c'est fait. Et voici l'album, comment il se présente donc. J'espère que ce tutoriel vous plaît et j'ai hâte de voir vos réalisations que vous partagerez si vous participez sur le groupe de la boutique, donc le Facebook de la boutique Scrap by Fleur de Lune, Scrapons Ensemble, il me semble que c'est ça. Donc j'ai hâte de voir vos interprétations. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!